ses actions, il descendait des canettes. David a pris au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom. Et vous lui parlerez ainsi, pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant j'ai appris que tu as des tondeurs et tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Nous ajoutons rapidement le verset 10. We had the 10th verse. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Qui est le fils d'Isaï? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Je prendrai mon père, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour m'étendre et je donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Nous prenons encore le verset 23 et nous allons terminer la lecture au verset 25. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de là, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jeta à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Voudrez-vous ajouter, s'il vous plaît, avec moi? We're gonna add with me. Nous prenons Proverbe. We add the Proverbe. Proverbe chapitre 24. Chapter 24. Nous allons lire un verset qui va beaucoup nous édifier aussi. We want to read a verse that will help us. Un verset qui va nous aider à comprendre un peu la pensée du Seigneur. One verse that will help us to understand and to walk with the Lord. Proverbe chapitre 24. Proverbe 24. Nous prenons les versets premiers. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Voudrez-vous ajouter 1 Corinthiens, s'il vous plaît? You can help us for 1 Corinthians. Chapitre 1er. First chapter. Le verset 21. 21st verse. Il est écrit. It's written. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a prié à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication.